C'est Gabin et Lily. On espère que vous allez bien. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Voilà. Aujourd'hui, on va vous donner des nouvelles de nos canetons. Coucou bébé, coucou bébé, elle t'embête cette coquille, regarde, hop là, hop, boum, allez, viens au chaud. Eh oui, alors il n'y a pas très longtemps, on avait regardé à l'intérieur de nos œufs si jamais il y avait des petits poussins à l'intérieur, et on ne vous avait pas donné de nouvelles depuis ce jour-là. Alors il y a nos canetons ont éclos et ils ont déjà une semaine. Aujourd'hui on va leur faire prendre leur premier bain. Alors juste avant qu'on vous les montre, on vous rappelle que dans la couveuse plus Pépette qui couvait les œufs, en haut de chez nous il y avait 13 œufs de canard et kikambel en tout. Il y en avait 5 ou 2 qui étaient blancs, qui étaient clairs. Voilà. Ça veut dire qu'il n'y avait pas d'embryon. Il n'y avait rien dedans du coup. Donc ceux-là, on les a mis à part. Ensuite, il y avait aussi 8 œufs à l'intérieur, dedans il y avait des embryons, donc c'est-à-dire qu'il y avait des petits poussins. Oui. Il y en a, je ne sais pas combien qui ont éclos, donc on va vous laisser montrer. On dit pas combien il y en a qui ont éclos. D'accord. Vous verrez. Je te voyais, t'allais le dire. Oui. On peut les montrer. Alors, ils sont déjà allés dans la nurserie, donc c'est le tout petit truc où on les met après la couveuse. Et là, ils sont dans leur petit parc avant d'aller. Que papa leur a fait. Voilà, que papa leur a fait. Un parc fait maison. Alors, on y va? Oui, on y va. Nous, on attend. Et voilà, le petit caneton. Et voilà, donc alors, comme vous pouvez compter, il y en a 6. 6 sur 8, donc c'est vraiment pas mal. Ça fait beaucoup de taux de réussite. Ça fait plus de 80% de réussite, donc c'est vraiment cool. Alors là, on aura fait un petit coin paille ici parce que c'est bien la paille. Et là, ici, on leur a fait un petit coin là. Je sais pas si c'est bien là. Alors on peut expliquer, Gabin, en fait, maintenant. Sur les 8. Il y en a un qui n'est jamais sorti de sa coquille. Oui, il y en a un autre aussi qui est sorti mais qui est mort. Qui est mort juste après. Ouais. Mais bon, on en a quand même 6. Alors, il y en a un qui est un petit peu différent des autres, on sait pas pourquoi. Oui, je sais pas, il a les couleurs plus marquées, mais il y en a beaucoup qui ont un trait à côté de l'œil, mais celui-là c'est vraiment beaucoup plus marqué. Et regardez aussi là on dit, c'est nos deux filles. Et on pense que ça c'est des filles parce que les filles Kaki Campbell, elles n'ont pas de trait. Et elles n'ont pas de trucs dans les yeux. Alors que tous ces quatre-là, ils ont des trucs dans les yeux. Et voilà, donc. Attends. Hop, putain, viens. C'est une petite fille normalement. Voilà. Et les autres, ils ont des traits à côté des yeux, donc on pense que c'est des mâles. Et aujourd'hui, comme on vous a dit, on va leur faire prendre leur tout premier bain. Donc alors, on a préparé une bassine. Il y a Ifi qui est avec nous, comme toujours. Elle aime bien les canetons. Ça va, Ifi? Ça va, mon Fifi? Oui, ça va bien. Ifi, elle adore à chaque fois qu'il y a des nouveaux poussins, des nouveaux tout ça. Des nouveaux-nés. Et puis voilà, donc on s'installe, on met une serviette pour pas qu'ils mouillent tout. C'est pas grave, on essuiera. Et puis du coup on s'installe et c'est parti. Ah, ça y est, hop. Tac. Les splouches. Et voilà. Mes petits canetons. Oula. Et voilà. Ils ont l'air de beaucoup moins aimer l'eau que les canards. Les précédents canards. C'est la première fois aussi. Donc après.
C'est leur premier bain. Ils sont pas super savourés. Mmh. Ils sont tous entassés. Et papillez-vous. Peut-être qu'ils savent pas nager, maman. Si, les canards, ça sait toujours nager. Faut qu'ils s'habituent un petit peu. Voilà. Regarde. Maintenant, on est à côté. On va essayer de se reculer un peu. Ouais, on recule un peu. Voilà, ils découvrent. Hein. Et Fifi qui est toujours à côté. Hein. Voilà, Fifi qui est là. Qui les regarde. Qui les regarde. Coucou. Voilà, elle les surveille. Regarde, ils découvrent, ils sont contents. Mais ceux-là, ouais, contrairement aux autres qui sont dehors, et ben... ils sont tous, comment... Ils sont tout mouillés, enfin, ils sont oui, pas comme alors les que autres. Ceux d'avant, tu vois, normalement ils... Ah oui, le duvet se mouillait pas en fait, c'est ça. Alors que ceux-là, ils sont tout trempés. Vraiment tout trempés. Voilà. Eux, ils essayent pas de mettre leur tête sous l'eau. Bah, pour le moment, ils ont jamais pris de bain, hein, donc ils découvrent l'eau. Ils veulent tout le temps rester tous ensemble. Voilà. Mais ils nagent, hein. Ah, ah si. Regarde, ça y est, il y en a qui commencent à aller sous l'eau. Il alors c'est le premier bain, on va pas les laisser très longtemps, on les laisse quelques minutes, c'est tout. Quand ils sont tout petits, faut pas les baigner souvent. Hein. Mmh. Alors si vous voulez qu'on vous redonne aussi des nouvelles de ces petits capons qui vont devenir de plus en plus gros, et bah, dites-nous dans les commentaires, dites-nous si vous voulez qu'on fasse une autre maison de canetons par exemple, je sais pas. Moi j'aimerais trop faire des canards mandarins, même si je crois que les œufs c'est assez compliqué à trouver. C'est assez compliqué, ouais, les œufs de canards mandarins. Bah en fait c'est bon, on va directement acheter des canards mandarins, ce sera plus compliqué, on passera pas plus, par la... plus simple, tu ouais, veux dire. Voilà. Oui, plus ouais. Simple, pas plus compliqué. Et voilà, donc alors là, on va les sortir et on va les remettre dans les nurseries pour faire la fin de la vidéo. Oula! Et il est là! Elle est tout mouillée! Mais Ifi, non! Ifi, c'est pas des jouets! Oui! Ah, ça mouille! Hop! Ifi, mais non! Oh non, Ifi! Tiens là-bas, prends le dernier! Et voilà! Tous les petits gagnants sont. Oh, on dirait des manchots! Comment ils sont debout un peu? Bah rester sur la serviette, les canards. Voilà, il se sèche un peu. Ça va, il marche à côté. Oui, j'ai peur, toi. Le bruit des pattes, la dada. Attendez, il va un peu... Non, en vrai, laisse grand. En fait, il va pas être dans le cadre de la vidéo, il part. J'adore le bruit des pattes. J'adore. Et il fit qu'il reste tout le temps avec les canards. Ah bah, c'est parti. Ah bah, ah bah t'es tout seul. Et toi là, qu'est-ce que tu fais? Ah oui, ah. Allez, Fille. Ah bah ça y est. Ils partent, tes copains ils partent. Attendez. Ah oui, on va les perdre dans la maison. Ah vous partez là. Revenez. Petit canard. Allez la petite compagnie, on revient. Hop, voilà. Oh, on va pas de côté. Là en fait ils sont vraiment tout mouillés. Ouais, c'est vrai que les autres on les sortait de l'eau, c'est comme s'ils n'étaient pas allés dans l'eau. Oui. D'ailleurs les autres ils font encore beaucoup de baignades, hein. Ils adorent se baigner, oui. Ouais. D'ailleurs en fin de saison on leur a laissé la piscine. Oui. Ouais, la piscine entière, donc ça leur fait très plaisir. D'ailleurs vous avez vu le post Instagram de Lily, hein, en fait à un moment je voulais essayer de les rattraper. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je suis tombée dans l'eau. Donc alors bah, on va quand même vous rappeler aussi notre Instagram, on est bientôt 10 000 sur notre Instagram, donc c'est Gabin et Lily YouTube, enfin YT, vous allez juste aller vous abonner et voilà, on fera bientôt 10 000. Et donc bah comme d'habitude, si la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à partager, à liker, vous abonner, à très bonne prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.